Monsieur le préfet du secteur des citations, monsieur le représentant du président du conseil régional, monsieur le représentant du président du conseil du secteur, monsieur le maire de la commune de Rennes, mesdames et messieurs les directeurs, chefs de service régionaux, messieurs les chefs de l'unité ici présents, messieurs les responsables des syndicats, messieurs les représentants de l'égalité traditionnelle coutumière et religieuse, messieurs les responsables de la société civile, mesdames, messieurs les responsables des ONG, mesdames et messieurs les organisations féminines, mesdames et messieurs les représentants des organisations féminines, messieurs les représentants des organisations de jeunesse, monsieur le président du conseil régional de la jeunesse, mesdames et messieurs de la presse, chers invités, mesdames et messieurs, mon grand grade capitaine de tout le conseil. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole à cette cérémonie consacrée au lancement de la Semaine nationale de la réconciliation Sénat d'édition 2023. Permettez-moi, à l'attente de mon adresse, de souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont voulu répondre à notre invitation à cette cérémonie combien importante pour notre pays. Mesdames et messieurs, la Sénat édition 2023, dont le lancement officiel a eu lieu la semaine dernière à Bamako par le ministre de la Réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, a retenu comme thème ensemble, engageons-nous pour relever les défis d'une paix inclusive et durable au Mali. C'est un évocateur souligne l'importance cruciale de la réconciliation nationale dans notre pays, qui a connu des périodes de conflits internes, des divisions et surtout d'instabilité, entraînant des conséquences dévastatrices pour le Mali et ses habitants. Durant cette journée, du 15 au 21 septembre 2023, comme je l'ai dit, le lancement a eu lieu la semaine passée, un accent particulier sera mis sur la cohésion sociale et surtout le vivre ensemble sur tout l'étendue du territoire du Mali en général et singulièrement de la région de Sidi. La Sénat permettra ainsi de guérir les blessures du passé et de construire un avenir plus stable pour le monde. Chers invités, les termes paix inclusive met en avant l'idée que tous les groupes ethniques, religieux et sociaux doivent être impliqués dans les processus de réconciliation. En outre, cela signifie donner une voix à chacun, y compris les groupes marginalisés. La paix durable ne consiste pas seulement à mettre fin aux conflits actuels, mais aussi à créer les conditions qui empêchent la récurrence de conflits futurs. Toutes choses qui nécessitent des réformes politiques, économiques et sociales. Ainsi, les citoyens, les organisations non gouvernementales et la société civile doivent jouer un rôle essentiel dans la promotion de la réconciliation. L'engagement peut aider à construire la confiance et à créer des ponts entre les communautés. Mesdames et messieurs, chers invités, nous devons accepter nos différences en vue de favoriser l'unité nationale. C'est pourquoi la sensibilisation à la réconciliation et à la tolérance est fondamentale
pour changer les attitudes et les mentalités. L'éducation sur la diversité culturelle et religieuse peut aider à prévenir les préjugés et les conflits. La promotion du dialogue national inclusif où les différentes parties prenantes se réunissent pour discuter des problèmes et des solutions est un moyen aussi efficace de progresser vers la réconciliation. Vous conviendrez avec moi que pour garantir une paix durable, il est essentiel de renforcer les institutions nationales, y compris les forces de sécurité, pour qu'elles puissent garantir la sécurité et la justice pour tous les citoyens. Mesdames et messieurs, chers invités, ensemble, en s'engageant à relever les défis d'une paix inclusive et durable, le Mali peut espérer surmonter les divisions passées et avancer vers un avenir harmonieux et prospère pour tous ses habitants. Je saisis cette opportunité pour saluer l'engagement de toutes vos autorités du pays à travers le ministère de la Réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale dans sa quête de paix et de cohésion sociale. Les messages véhiculés en guise de sensibilisation, mobilisation et s'écrit le cœur à l'endroit de nos plus hautes autorités par rapport aux multiples préoccupations de notre pays, j'en suis sûr, feront partie du monde. Je vous exhorte à voir à nos plus hautes autorités en ce sens que l'espoir est permis pour accéder à une paix inclusive et durable. Je vous invite à persévérer dans cette dynamique de recherche de la paix inclusive et de réconciliation, car elles sont des piliers des développements durables. Mesdames et messieurs, chers invités, chers jeunes, le courage, l'admiration et le don de soi doivent constituer notre perspective pour atteindre des objectifs assignés. Durant la semaine et au-delà, continuons à mener ensemble des activités de réconciliation dans la région de Sikasso pour illustrer sans nul doute de vivre ensemble la paix et la cohésion sociale. Aussi voudrais-je vous informer que cette activité est en voie de lien des priorités des autorités de la transition vise à favoriser la cohésion sociale, la consolidation de la paix, l'apaisement du climat social et politique du Mali. Je souhaite terminer sans adresser mes sincères remerciements au nom du gouvernement de la transition, au nom du président de la transition, son colonel Assimi Goïta, pour l'accompagnement à celui des uns et des autres dans la promotion de la paix et de la bonne gouvernance du Mali. C'est sur cette note d'espoir que je déclare lancer la deuxième édition de la Semaine nationale de la réconciliation nationale à Sikasso, Sénat 2023. Et vive le Mali, le prospère et réconcilié. Je vous remercie. Il y a sans plan nous on a Semaine Bégué au Mali là. Donc, il y a un champion qu'on a lié avec l'espoir qu'on en a mis. Nous allons, au FFP, bien éveillé, Jamana Kapasiki, Jamana Kapasiki, Jamana parce que nous sommes au Sénat. Nous sommes là. Et on dit qu'il n'y a pas un développement durable sans la paix. Ni 20 euros de nos rentiers à Kadiré, ni à Kassabati. Donc, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que
Merci.